va continuer à pied là, hein, parce que c'est un petit peu difficile. Ben ça y est, on est arrivé à l'endroit le plus haut du Finistère, en plein milieu des Monts d'Arrée. On a une vue extraordinaire là sur le parc naturel d'Armorik. Nous, on aime bien venir ici le week-end en famille. C'est vrai que c'est sportif, mais ça reste accessible parce qu'en plus, avec la voie verte qui va de Morlaix à Carré, les parcours sont bien identifiés, sont sécurisés, on est vraiment tranquille. Et puis, ben, se balader dans un panorama comme ça, c'est vraiment super. Ça y est, on est arrivé à Morlaix. On va pouvoir laisser les vélos ici, ce sera plus pratique pour se balader. Il y a plein de choses à voir dans cette ville très escarpée. Il y a le viaduc, il y a les maisons à Pont d'Allée, les Venelles, l'ancienne manufacture aussi. Du coup, c'est vraiment sympa pour une petite balade en famille. Après une balade en centre-ville, on va se diriger vers la côte, il y a des super paysages vers là-bas. Maintenant, on va essayer la balade à la Palme. On l'a jamais fait, et puis il paraît que c'est sympa et que c'est accessible aux familles. Bonjour, c'est pour la balade à la Palme. Et ben, on va s'équiper. La nage avec Palme, c'était vraiment sympa, les enfants ont adoré. Maintenant, c'est l'heure d'aller visiter ou revisiter le Château du Taureau. Et le Château du Taureau, c'est un peu notre Fort Boyard breton, sauf que celui-là, au moins, on peut le visiter. Ça a été un lieu militaire, ça a été une prison, ça a été aussi un centre nautique. Et puis les enfants adorent venir se balader ici, c'est vrai que ça change les balades habituelles. Puis regardez, on voit les îlots, on voit la réserve aux oiseaux. On voit aussi le cairn de Bernénès, qui est plus vieux que les pyramides. Hein. Alors nous, en habitant ici, ce qu'on adore, c'est qu'il y a toujours à découvrir ou à redécouvrir, à visiter plein de choses, et c'est vraiment excellent en famille.